that I need. You're the main reason I dress to impress, in hopes of maybe one day I will end all this loneliness. You're on my mind, you're what I think about most. I dream of nights of us alone, girl, I'm holding you close. I will be yours forever, if you're forever mine. Girl, it's just a matter of time. Bonsoir. Passe-moi mon sac. Merci. Je crois que tu vas aimer le yacht de nos amis. Super, ta voiture. Merci. Elle a tout juste une semaine. Tu m'emmènes où? Au port. Tu es belle à t'amener à ça. Pas ici. Il n'y a pas un char, juste quelques gros cochons. Ne perdez pas tout à la roulette. C'est parti. Cindy! Tu ferais mieux de l'oublier, ta belle. T'es cocu, mon vieux. Allez, laisse tomber. Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Je répète, appel à toutes les voitures. Cambriolage dans une bijouterie à l'angle de la rue Washington et de la rue Lincoln. Apparemment, aucun otage. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je voudrais te présenter à un ami. Un ami? Oui. Mais qui c'est? Lâchez-moi, mais arrête-le! Laissez-moi tranquille! Que vous voulez? Lâchez-moi! Faites-moi! Non! Je ne peux pas aller avec vous! Arrêtez! Mais...
Lâche. Bonsoir. C'est bon, les gars. Développer le potentiel d'un individu dans la droiture et la vertu, de faire respecter les droits de chacun, d'augmenter leur sens des responsabilités, d'apporter la confiance en soi et de construire un esprit sain et un corps sain. Le code des arts martiaux. 1. Être loyal envers son pays. 2. Obéir à ses parents. 3. Se défendre en respectant l'honneur et la justice. 4. Honorer ses amis. 5. Être courageux, ne jamais battre en retraite. Merci, monsieur. Vous pouvez vous détendre, les gars. Aujourd'hui est un jour spécial. Le sergent John Kim, ici présent, qui travaille dans notre département depuis 5 ans, a su gagner le respect de ses camarades officiers. Sa loyauté, son courage, sa rapidité, son efficacité sont connus de tous. Il a mis au point un programme d'entraînement aux arts martiaux qui a permis à nos officiers d'être mieux préparés. Son dévouement sans faille a contribué au profond respect qu'inspire désormais la police de Los Angeles. Sergent Kim, en récompense de vos loyaux services, j'ai l'immense plaisir et la joie de vous élever au grade de lieutenant. Mes félicitations. Tenez, c'est à vous. J'ai passé mon enfance et mon adolescence en Corée. Mais mon cœur appartient à ce magnifique pays que sont les États-Unis. Merci.
Merci. Je voudrais que nous ayons un petit entretien tous les deux. Votre partenaire est mort. En fait, j'ai une super nouvelle. Je vais à Portland, j'ai eu ma mutation. Je pars dans 8 jours. Oh, c'est sérieux? Ouais. Je vais te quitter, vieux. La police de Portland l'a trouvé sur un quai, le corps criblé de balles. Il s'est sûrement battu comme un lion. La mission sur laquelle il était consistait à enquêter sur des personnes disparues, des jeunes filles pour la plupart. Rassemblez toutes les informations que vous pouvez. Trouvez ce qui est arrivé à ces filles et vous saurez qui a tué Douglas. Je regrette de devoir vous demander ça aujourd'hui, car je sais que vous étiez très liés tous les deux. Je vais appeler le commissaire de Portland pour qu'il vous reçoive dès votre arrivée. Qu'est-ce que je vous sers? Sandwich au jambon et un verre d'eau, s'il vous plaît. Tu viendras avec moi à Miami? Ça dépend combien de jours? 2 semaines. Il faut que j'en parle à mes parents. Je vous envoie un cadeau avec le chargement. Oh non, vous ne serez pas déçus. Je suis certain que la surprise sera très agréable. C'est une très belle fille. Elle est blonde. J'apprécie beaucoup de traiter avec vous. J'aime quand les choses se passent tranquillement comme ça. Et je déteste le chaos. Coincé à 3 dans la bicoque, la grognasse. T'aurais vu les amortisseurs qu'elle avait. Wow. Et son pétard rembourré un max. Alors elle a commencé par se faire les mains. Et après, on a eu le droit à une tirelue de pas piquer des hannetons. Merde, j'ai raté ça. Et on était tous au garde à vous, prêts à chanter la Marseillaise. Et tout d'un coup, le balafré l'a renversé, lui a planté son bazar dans le berlin. Et les deux autres, vous avez fini à la manivelle. Et puis, gaffe, j'en ressours. Visez un peu, les gars. Pas dégueu, hein? Tout ce qu'il faut pour s'asseoir et respirer.
Je crois que ça va être la fête, les potes. Matez-moi ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? Allez, viens, on va se la faire. Allez, c'est parti. Salut, poulette. T'as gagné. Suis-moi. Je t'ai trouvé, t'as gagné. Non. Viens avec nous. Non. La jolie cadeau pour toi. Viens. Barre-toi, mec. Ou alors, fais la queue. C'est à moi que vous vous adressez? Non, c'est au vent. Dis donc, ta tire, elle est bien, j'en ai besoin pour aller à Acapulco. Eh, va vous faire du jaune, vieux. Je vais te plomber le caillou, Fastoff. John Kim. Je voudrais le dossier sur le meurtre du lieutenant Douglas. Laissez, je m'en occupe. Capitaine Grognas. J'ai toute une équipe à la recherche de ce tueur de flics, mais aucune piste.
Sur les filles disparues, vous avez quelque chose? Oui. Une Cindy Kane. Le jour où on a tué Douglas. Oui. Son petit ami l'a signalé. Je vous remercie, Captain. Alors, vous êtes de Los Angeles, Hollywood? Je suis à la recherche de Cindy Kane. Que savez-vous sur elle? Ah, oh, c'était ma petite amie. Mais on s'est disputé, alors elle est partie avec un gus plein de pognon. Vous pouvez me le décrire? Non, je ne me souviens pas de sa tête. Il faut dire que j'étais complètement bourré ce soir-là. Je les ai vus partir dans une super bagnole. Et c'est quoi cet endroit où vous étiez? Le club. C'est là où les belles nanas vont danser. Et pourquoi un flic de Los Angeles s'intéresse à ce genre de choses? J'aimerais voir ce club. Bien sûr. C'est juste là, sur la droite. Mm-hmm. C'était là, dans le parking. Elle faisait comme si j'existais pas. Elle est montée dans sa Mercedes. Je peux avoir ma voiture? Il a l'air coriace, le blond. Qui c'est, ce type-là? Un appel pour vous, monsieur. Oui. Gilvers? Oui. John Kim est un flic de Los Angeles, il est sur l'affaire Douglas. Douglas? Ah, vous savez bien, l'autre jour. Oui, j'ai compris. Je vous remercie. John Kim. Il va falloir qu'on l'ait à l'œil, celui-là. C'est quoi votre nom? Steven. Pas toi, gamin, t'es le copain de Cindy. John Kim. Je sais me débarrasser toute seule des petits rigolos qui osent m'embêter. Elle a l'air de connaître Cindy? Elle est prof de danse et lui donnait des cours. Son studio est situé dans la rue Alder. Thank you.
Cha-cha-cha, ouais. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Très bien. De face, on se tourne. De face, de dos, de face. Super. C'est génial, les filles. Ouais. Tu es sur le mauvais pied, Marie-Cécile. C'est bien. Continuez. Ouais. Souriez. C'est bien. Levez très haut les bras. C'est bon, Tina. Super. Souriez, les filles. La vie est belle. Oh, remplace-moi un instant, ça ne sera pas long. Continuez comme ça, c'est très joli, les filles. Génial. Souriez. Que puis-je faire pour vous? Je cherche Cindy Kane. Et pourquoi? Elle a disparu. Oh. Maintenant que j'y pense, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue au cours, ni ailleurs, d'ailleurs. C'était quand, la dernière fois? Il y a environ 2 ou 3 semaines. Vous pouvez me parler d'elle? Eh bien, c'est l'histoire classique et tragique d'une danseuse. Elle avait beaucoup de talent, mais elle est devenue feignante et n'avait plus envie de forcer. Alors elle est sortie en boîte pour trouver un homme riche. Je sais, certaines filles n'ont pas d'amour propre, pas vrai? Quand je vais danser, c'est pour moi-même. Je ne comprends pas qu'on le fasse pour une autre raison. Mais je suis moi et je suis différente de Cindy. J'aime la danse à la folie. Vraiment. Il y a ça et une autre chose qui est très importante dans ma vie. Et c'est quoi cette chose si importante pour vous? Maman! Maman! Ah. C'est ma fille, Erika. Comment vas-tu? Bien. Très bien. Au revoir. Au revoir, les filles. Dites-moi, ils étaient jolis, vos mouvements, hier soir. Est-ce que vous faites de la danse? Jamais en public. Je demanderai aux élèves si elles savent quelque chose sur Cindy. Très bien. Merci. De rien, c'est normal. Au revoir.
tu l'as perdu. Je devrais laisser Ice te tordre le cou. Je vais te donner une dernière chance. Je veux que ce type disparaisse. Au fait, j'ai une super nouvelle. Je vais à Portland. J'ai eu ma mutation. Je pars dans 8 jours. C'est pas que j'ai envie de quitter Los Angeles, mais à Portland, ce sera mieux pour élever mes enfants. On se reverra, mon vieux. Tu viendras chez moi et on ira pêcher. Ça te dit? Souvent ici avec Douglas. On s'est enfilé pas mal de tequila. Et c'était un brave gars. Et ça nous est arrivé souvent d'être fin bourré. Il ne buvait pas à Los Angeles. Faire attention à vous. Entendu. Attends, j'aimerais bien me le faire. Si tu veux. Il est juste à ma taille. J'arrive, mon loup. Je suis à toi tout de suite. Il y a eu une bagarre dans le coin, non? Ah oui. Vous allez bien? Très bien. Ça vous dit le resto demain? Je vous aide. Non, non, j'ai autre chose à faire. Au Big Buster, je vous attendrai. Non, je viendrai pas. Est-ce que t'as une femme? Ça, c'est d'une grande délicatesse, chérie. Et voilà de bons cafés. Merci beaucoup.
Je suis passé à votre hôtel tout à l'heure. Assieds-toi. Salut, Christine. Bonjour. Je viens de recevoir une lettre de Cindy. Elle dit que c'est fini entre nous. Ah, les gens restent copains. En quelque sorte. Est-ce que c'est son écriture? J'en sais rien, j'ai jamais rien lu d'elle. Steve. Je connais pas son écriture. Je vais revenir, mais pour l'instant, j'ai besoin de solitude et de beaucoup de tranquillité. C'est bizarre. C'est loin, Peter's Landing? J'en sais rien, mais c'est en direction du sud-est, je crois. À 15 kilomètres d'ici. Je suis désolé, le devoir m'appelle. Très bien. Merci d'être venu. Dis, t'as des enfants? Mais enfin, chérie. Au revoir. Au revoir. Dis-moi, oui. Je suis libre maintenant. Gamin, tu pourrais emmener ma fille au studio, s'il te plaît? Sois sage, Minnie. Hey, mon nom, c'est Steven. C'est bon. Merde.
faites gaffe, les gars, il nous tend sûrement un piège. Blake, par ici. Alice, fais le tour par l'autre côté. Et ouvrez l'œil. Et pas de cadeau. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais vous mettre en garde. C'est trop tard. Vous n'êtes pas blessé? Je suis en colère. Moi aussi, après vous. Eh bien, arrêtez-moi. Allez-vous-en d'ici. Je suis impliqué dans cette affaire. Partez. Non, je fais équipe avec vous. Pas question. Vous avez besoin de moi, je connais le coin. Suivez-moi alors. Ma voiture ne veut plus avancer. C'est pas possible de la laisser là, ils remonteront jusqu'à vous. C'est vous le cerveau, trouvez une solution. Alors ça, bravo! Vous m'en rachèterez une autre! Je parle sérieusement! Mais il faut voir un docteur? Non, c'est rien. Juste un peu de sang. C'est moi qui conduis. Alors, au revoir. Vous avez essayé d'appeler sa chambre? Ça fait Erika. Ah, c'est super, ma puce. Tu fais des progrès. Infinity? Non, je ne l'ai pas vu. Vous devriez essayer d'appeler chez Christine un peu plus tard. Très bien. Au revoir. Alors, tu t'en sors?
Merci. Certains n'ont pas envie que vous retrouviez Cindy. C'est plus compliqué que ça. Oh, c'est-à-dire ? Alors ? Allez, dites-le-moi. J'avais un coéquipier. Non, ça n'a pas d'importance. Laissez-moi faire. Maintenant, c'est moi votre coéquipier. Il faut tout me raconter. Mon ami s'est fait descendre alors qu'il enquêtait sur des personnes disparues. Et Cindy Kane a disparu juste le jour où Douglas a été tué. Coïncidence ? Je le saurai quand je la retrouverai. Simon ? Oui, patron. Es-tu heureux de ta situation dans cette maison ? Oui, patron. Tu reconnais donc que s'il y a une détérioration dans nos relations, ce sera entièrement de ta faute et non de la mienne. Quoi ? Où sont Blake et Hollis ? Ils sont morts. Tu les as vus étendus ? Oui, patron. Et ta cible ? Je l'ai tué, patron. Ta mission était donc accomplie. Alors ? Je suis sûr de lui avoir tiré dessus. John Kim est-il mort, oui ou non ? Je suis pas certain. Es-tu parti sans pouvoir confirmer qu'il était bien mort ? Blake et Hollis étaient des employés fidèles. Tu as leur sang sur la conscience. Ne touche pas, Ice. Ne touche pas. Ma carrière de danseuse marchait bien. Je dansais à New York et aussi à Chicago. Puis je suis tombée enceinte. J'ai arrêté la danse quelque temps. Je prévoyais de reprendre quand ma fille aurait un an, mais son père est parti sans nous. Il s'est fait engager dans une troupe. J'ai donc dû donner des cours. J'adore regarder les progrès que font les filles jour après jour. Seulement, la comptabilité me rend complètement chèvre, alors à certains moments, j'ai besoin d'aller me défouler en boîte et d'oublier les chiffres. Il n'y a rien de mal à ça. Ce qui est triste, c'est que son père a toujours refusé de venir la voir. Ouais, c'est pas très bien. Oui. Mais j'ai pas pu le convaincre.
Au fait, je crois qu'on devrait rentrer. Ma fille va m'attendre. Tu te plais? Mon trésor, réveille-toi. On rentre à la maison. Mon pauvre bichon. Allez. Au revoir, les filles. Au revoir. C'est parti. Excusez-moi. Oui. Dites à John Kim que j'ai retrouvé le gars de Cindy. Cindy Ken? Oui, je lui aurais bien cassé la figure, mais il était très bien entouré. Ils étaient nombreux et le genre costaud. Il y avait aussi ce type très riche. Bill Vested? Oui, c'est ça. Je transmettrai le message. S'il revient ici. Je travaille au Hot Flash Pizza ce soir, il pourra m'y retrouver. Voilà le 4 heures. Oui, je vois. Dis-moi, ça te plairait de faire un peu d'exercice? À votre recherche. Et qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien, mais ça avait l'air très important. Il a dit qu'il serait au Hot Flash Pizza ce soir. Il y travaille. Faites vite, les gars. Allez, envoyez la sauce. Heureuse de te voir, moi aussi. Alors, tu as réussi à retrouver Stephen? On l'a tué. Mais pourquoi?
Pour quelle raison a-t-on fait tuer ce garçon? Je veux que tu t'en ailles avec Erika quelques jours loin d'ici. Mais où vas-tu? Répondre à toute cette merde. Alors je viens avec toi. Ce sont pas tes affaires, t'en mêle pas. Je sais très bien où tu vas. Et je vais m'en mêler. C'est pas un bistrot ici. Eh, hey, ouvre-moi la lourde, je veux de la bière. Alors, on n'a rien pour toi. Frère. T'as rien à faire là, dégage. Monsieur Kim, qu'est-ce que vous fabriquez dans nos locaux? Merci, mon vieux.
Oui. C'est un adversaire de taille. Alors je ferai un don à une association caritative, en votre nom, bien sûr. La somme habituelle ? Comme toujours, c'est un plaisir de traiter avec vous. Prends soin de ma fille. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu mijotes ? Excusez-moi. Christy, qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que ça va chauffer ce soir. Milverstead est sur la brèche. J'ai une amie qui est ici et je crains pour elle. Contactez-moi dès que vous le voyez embarquer la fille. Très bien. Soyez prêt à intervenir avec vos hommes. Je compte sur vous. Je serai dans ma voiture. Passez par l'opératrice et demandez le 321. Entendu. Étoile de mer. Oui. Je veux Milverstead. Milverstead, il est sur vous. Il a une fille qui va allumer Richard. Vous avez remarqué qu'on avait de la visite. Une fois encore, vous prouvez votre efficacité. Votre loyauté se doit d'être récompensée. Pour ce soir. Vous êtes seule? Oui. Vous dansez? Non, merci, je me repose. Je suis un peu fatiguée. Avec moi. C'est lui, John Kim.
On y va? Merci. J'ai l'impression que ça va te plaire. La vue est splendide. Parfait. J'ai hâte d'y être. Allons-y. C'est parti. Tu nous manquais. Vous allez trop loin, Monsieur Kim. Il faut savoir s'arrêter. Ne vous inquiétez pas pour votre ami, nous prendrons soin d'elle. Un bonus à celui qui m'en débarrassera. Amusez-vous bien, Monsieur Kim. À toi, mon pote. Je te le laisse. Bonsoir, Christine. Certaines personnes savent très bien où je suis. Oh, Monsieur Kim, nous n'aurons pas sa visite. Ce n'est pas si sûr, espèce de sale pourriture. Pour l'instant, votre ami est... Disons qu'il a une situation terriblement délicate à régler. Emmène-la. Un appel pour vous, ne quittez pas. Très bien, j'attends. Capitaine. John. J'ai trouvé l'homme que je cherchais. Où est-il? Juste devant moi. Où êtes-vous? Juste à côté de vous. Jetez votre arme et pas d'embrouille. Dehors. Sortez. Tout de suite. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes au forfait ou vous avez une commission pour chaque fille enlevée? Et de quoi vous parlez? Marchez. Chaque fois que je bouge sur cette affaire, les hommes de Milverstead sont là pour m'en empêcher. Marchez. Vous saviez qui je recherchais. Vous saviez où je me rendais. Je n'aurais jamais cru que ce soit l'un des nôtres avant ce soir. Mais je n'ai jamais tué personne. Continuez à marcher. Je n'ai fait que fournir des infos. C'est Hayes qui tuait. Et Douglas, c'est lui? Ça m'a fondu le cœur. C'était un excellent flic, mais têtu comme une mule malgré mes avertissements. Et pourquoi, Steven? C'était un gosse. Ah, mais c'est vous qui l'avez impliqué dans cette affaire. Combien de filles ce Milverstead a embarqué? Mais j'en sais rien. Combien? Je vais vous trouer la cervelle. Ne faites pas ça. C'est aussi ce qu'ont dû dire les filles. Où les a-t-il envoyées? Elles sont en... à l'autre bout du monde, en Asie ou au Moyen-Orient.
Mais j'en sais rien, faites marcher votre imagination. Vous avez quoi en échange? De l'argent? Il pourrait me tuer s'il voulait. Ce type-là est plus puissant que toute la police réunie. Ça va mal aller pour vous. J'ai une dernière question. Où est Christine? Un hoquet numéro 6. Vous êtes un criminel et un lâche. Je m'occuperai de vous plus tard. De la compagnie. Christine. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Nous? Mais rien du tout. C'est l'héroïne qui a fait ça. Je ne vois pas ce qui vous choque. Il y a des milliers de jeunes qui n'hésiteraient pas à tuer leurs parents pour avoir un peu de poudre. C'est très cher, vous savez. Et Cindy vous le dira, je suis généreux. Évidemment, j'ai des prix de cours. Allez-y. Christine, d'abord. Non!
Lève-toi. Dépêche-toi. Attends-moi ici. Ça ne sera pas long. Yeah!
lendemain, John devait retourner à Los Angeles. Son équipier était mort, ce pauvre Steven aussi. Mais il y avait quand même de quoi se réjouir. Cindy était libre et l'organisation criminelle de Milverstead était détruite. Je dois dire que cette aventure nous a beaucoup rapprochés. John m'a suggéré d'ouvrir une école de danse à Los Angeles. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il est même prêt à prendre quelques pas pour être mon partenaire. Speedfire 93.